Vous auriez dû prévoir notre retour. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Yop tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir quelques informations. Mais comme vous l'avez vu au titre, je vais également vous parler d'un skin gratuit et vous expliquer comment le débloquer. Avant tout les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important et ça me ferait vraiment plaisir. Sur cette vidéo, un like est égal le nombre de V-Bucks que vous allez recevoir pour Noël. Alors dites-moi en commentaire combien vous espérez recevoir. Sinon, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer l'actualité du jeu et les différentes astuces que je vous propose. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Tout de suite à l'écran, vous avez la liste des derniers abonnés. Un grand merci à vous. Et du coup, abonnez-vous si vous voulez passer dans la prochaine vidéo. Alors pour commencer les gars, j'ai une surprise concernant le prochain pack qui va sortir sur Fortnite le 2 novembre. Il s'agit du pack Minty avec 3 skins, plein d'accessoires, etc. Et la surprise, c'est que je vous fais gagner ce pack à deux endroits. Le premier, c'est sur mon compte Instagram. Le concours est disponible. Du coup, venez me suivre et participer au concours. Mon compte, c'est Thomas en vrai. Et le deuxième endroit où vous pouvez tenter de gagner ce pack, c'est sur Instant Gaming. Il est déjà disponible et du coup, sur le concours du mois d'octobre, vous pouvez participer. Le lien est dans la description. Ensuite les potes, il faut savoir que le skin Midas de l'ombre est sorti dans la boutique. On peut enfin l'acheter après plus d'un an d'attente. Alors il coûte 1500 V-Bucks, c'est pas donné, mais je sais que vous êtes nombreux à le vouloir. Et du coup, pour ceux qui voudraient l'acheter, n'hésitez pas à mettre le code G4B dans la boutique, c'est le code créateur de ma team. Du coup, en les soutenant, ça permettra aussi de me soutenir dans différents projets, etc. Donc n'hésitez pas à ajouter leur code créateur G4B. Sinon, pour la sortie du skin, on a eu une petite vidéo, je vous laisse regarder ça. Ok ok les potes, alors voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois à me dire si vous validez ou pas le skin Midas de l'ombre. Sinon, parlons d'un nouvel item qui va faire son retour, les mechas. Ça devrait se faire avant la fin de la saison. Pour les débloquer, il faudra que la communauté donne un total de 1 milliard de lingots d'or. Mais bon, comme je vous l'avais dit, on est plusieurs millions à jouer au jeu, on a des milliers de lingots d'or. Donc on risque de les débloquer à un moment donné. Et du coup, il y a Zateo qui m'a envoyé un gameplay pour montrer l'apparition de la brute, la nouvelle brute. Je vous laisse regarder ça. Du coup, c'est à peu près comme à l'époque de la saison 10, sauf qu'on peut voir que le design de la brute a été modifié. Mais en vrai, ça reste quand même assez stylé et j'ai hâte de voir si elles ont été assez nerfs ou pas du tout. Et du coup, les mecs, on arrive au moment que vous attendez le plus dans cette vidéo, comment débloquer un skin gratuit. Alors, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo il y a quelques jours, le problème, c'est que le site en question avait eu beaucoup de problèmes. Epic Games a dû désactiver le site et puis faire une maintenance, etc. Donc c'était la galère. Mais là, le site est de retour, il est bien fonctionnel et normalement vous n'aurez plus de problème. Du coup, faisons un point sur les différentes récompenses qu'on peut avoir gratuitement. Vous les voyez à l'écran. Il y a donc une pioche, un écran de chargement, un revêtement, un planeur et le skin gratuit. Du coup, la toute première étape sera de vous inscrire sur le site que je vous mettrai en description. Pour vous inscrire, il faut juste se connecter avec son compte Epic Games. Une fois que cela est fait, vous aurez 5 défis à réaliser. Les défis sont très simples à comprendre, mais il faut les faire. Le premier défi, c'est le plus simple. Comme vous le voyez à l'écran, il faut tout simplement ajouter un ami via le site. Donc vous allez dans votre liste d'amis éligibles et vous en choisissez un avec qui vous allez pouvoir jouer. Une fois que cela est fait, eh bien vous débloquez la première récompense qui est donc l'écran de chargement. Donc ça, ça a pris vraiment quelques secondes. On passe maintenant au deuxième défi, qui lui aussi est très simple, jouer une partie dans Fortnite avec un filleul. Pour ça, vous devez tout simplement faire une game en duo, trio ou section avec un ami que vous avez ajouté sur le site. Du coup, pour gagner du temps, moi je vous conseille de lancer une game en duo et de directement vous suicider, ça va fonctionner et votre tâche sera terminée. Du coup, vous allez bien débloquer le revêtement qui, pour le coup, est vraiment stylé. On passe donc au troisième défi,
terminé dans le top 10 3 fois avec votre filleul. En le complétant, vous débloquerez un planeur qui une nouvelle fois est plutôt cool. Alors une nouvelle fois, vous allez lancer des games en duo, trio ou section et vous allez devoir faire des top 10. Du coup, un conseil que je peux vous donner, c'est de lancer uniquement en section. Parce qu'en section, le top 10 est plus rapidement atteignable. Et aussi, un autre conseil que je peux vous donner pour gagner du temps, c'est que dès que vous avez atteint le top 10, on peut le voir dans la carte hein, sur le jeu, eh bien vous vous suicidez, vous et votre ami, comme ça, ça met fin à la game au lieu d'attendre la fin de la partie, ça vous fait gagner du temps. Et du coup, une fois que vous aurez terminé cette tâche, vous allez bien débloquer le planeur gratuit. On passe du coup à la quatrième tâche qui elle aussi est assez simple, éliminer 10 adversaires avec votre filleul. Du coup, étant donné que vous serez 2, eh bien les 10 kills, vous allez les faire en une ou deux parties, après ça dépend forcément de votre niveau, mais globalement, faire 10 kills, c'est pas très compliqué, donc que ce soit en duo, trio ou section, normalement vous allez réussir, et du coup vous pourrez débloquer, une fois que le défi sera terminé, une jolie pioche qui s'appelle Aile de la route. On arrive donc au défi ultime, le cinquième défi qui va vous permettre de gagner le skin gratuit, le pilote arc-en-ciel. Pour ce défi, il faut gagner 60 niveaux par vous-même et attendre que votre filleul ait également gagné 60 niveaux. Alors, on parle bien des niveaux de compte, donc peu importe la saison, ça va fonctionner. Et du coup, les gars, eh bien, rassurez-vous, parce que gagner 60 niveaux, ça paraît compliqué, mais en réalité, ça se fait très rapidement. Il y a 2 jours, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous permet de gagner énormément d'XP, jusqu'à 300 000 par partie. Si vous et votre ami faites cette méthode, en une journée, vous aurez largement atteint les 60 niveaux. D'ailleurs les mecs, je tiens à remercier Elz qui m'a énormément aidé, il fait partie de ma team et c'est grâce à lui que j'ai pu débloquer les récompenses et avoir le skin, donc un grand merci à lui, vous aurez tous ses réseaux en description, n'hésitez pas à lui donner de la force. Du coup, pour vous rappeler rapidement cette méthode qui permettra de gagner beaucoup d'XP, la première étape va être de spawn à Bonnie Burbs. Une fois dans la ville, il faut que vous et vos amis preniez la quête à Asphalt, qui se trouve à côté de la station service. Une fois que vous avez tous pris sa quête, vous allez tout simplement ravitailler un véhicule en essence. Pour ça, vous allez mettre 20% d'essence. Quand c'est fait, vous allez tous gagner de l'XP. Il faut passer à l'étape 2, qui consiste à parcourir 500 mètres avec une voiture. Du coup, vous allez en profiter pour rejoindre Pleasant Park. Comme ça, ça va vous faire vos 500 mètres et vous pourrez gagner encore plus d'XP. Une fois à Pleasant, vous allez casser les 3 boîtes aux lettres que j'ai montrées dans la vidéo. En les cassant, ça va terminer la 3ème étape des défis d'asphalte. Vous faites ensuite une rampe avec minimum 2 escaliers. Vous remontez dans la voiture et vous sautez sur cette rampe. Comme ça, ça complète la 4ème étape qui est de rester 2 secondes en l'air avec un véhicule. Par la suite, vous allez voir le PNJ Charlotte qui se trouve justement à Pleasant Park. Il faut que tous les joueurs de la squad prennent la quête, c'est très important. Et là, vous allez devoir poser au sol une AR et des grenades et les ramasser. Ça va donc vous compléter le défi. Et si jamais dans la squad, il y a quelqu'un qui a au moins 100 points de bouclier, ça va compléter aussi la 2ème étape, donc encore plus d'XP. Ensuite, pour terminer les défis d'asphalte, vous allez devoir améliorer un véhicule comme je l'ai fait dans la vidéo avec les pneus. Ensuite, vous faites la même construction que moi, 2 escaliers et un mur en face. Et comme ça, vous allez pouvoir retourner facilement le véhicule et puis interagir avec celui-ci pour le retourner. Pendant ce temps-là, vous dites à un ami de se rendre à la base de l'Institut Onirique qui se trouve pas très loin de Pleasant Park. Comme ça, il va pouvoir continuer les défis de Charlotte qui consiste à visiter une base de l'Institut Onirique. Ensuite, vous devrez éliminer les gardes de l'Institut Onirique. Donc souvent, il y en a 2 dans cette base. C'est parfait, vous les tuez. Quand c'est fait, ça vous fait encore de l'XP. Et pour finir, vous n'avez plus qu'à ouvrir un coffre dans cette base de l'Institut Onirique. Du coup, la méthode, elle se fait vraiment en quelques secondes, quelques minutes. Et quand c'est fait, vous vous suicidez et vous relancez une game pour refaire exactement pareil. Comme ça, vous pourrez gagner entre 90 000 et 120 000 XP toutes les 5 minutes. C'est vraiment énorme. Et du coup, pour revenir sur le skin gratuit, eh bien, vous l'aurez normalement en une journée, puisque les 60 niveaux, vous allez les faire super vite. Du coup, au fil des games, vous allez monter vos niveaux, gagner des étoiles de combat, etc. C'est nickel. Et vous pourrez voir la progression de votre niveau sur le site en direct. Parfois, il faut attendre quelques minutes pour que ça s'actualise. Mais globalement, ça se fait plutôt bien. Du coup, une fois que vous et votre ami aurez gagné 60 niveaux chacun, eh bien vous débloquerez la tenue puisque le défi sera terminé. Alors pour ma part, mon ami a réussi à monter 60 niveaux,
Moi, c'est un peu plus long parce que je suis au niveau 220, donc les niveaux sont plus compliqués à monter. Mais bon, si jamais je fais le glitch que je vous ai présenté pendant quelques heures, normalement les 60 niveaux, je vais les plier. Du coup, par la suite, eh bien, je vous montre que j'ai bien débloqué la plupart des récompenses. On a ici la pioche, qui est plutôt sympa, franchement. En plus, j'aime bien le bruit qu'elle fait. Ensuite, dans les planeurs, on a bien eu le taxi tacheté, qui, une nouvelle fois, est plutôt cool, même si ça reste un planeur basique. J'ai aussi débloqué le revêtement que je trouve incroyable. Ça manquait de revêtement avec ses couleurs, du coup c'est cool. Et puis il y a aussi l'écran de chargement que je vous ai pas montré, mais que j'avais déjà débloqué le premier jour. Pour ce qui est du skin, si vous voulez voir un gameplay de celui-ci, en voici quelques secondes. Et franchement, j'ai hâte de finir mes 60 niveaux. Comme ça, bah, je pourrais l'utiliser. Il est vraiment cool. Je rappelle que tout le monde peut le débloquer. Il suffit de faire ces 5 défis que je vous ai montrés et il est totalement gratuit. Au niveau des dates, il faut absolument que vous vous inscriviez sur le site avant le 15 novembre. Donc vous avez encore 15 jours pour le faire. Et une fois que vous êtes inscrit, vous avez jusqu'au 11 janvier 2022 pour terminer les défis. Du coup, même si vous n'arrivez pas à monter les 60 niveaux, etc. en quelques jours, c'est pas grave puisque vous avez presque 3 mois pour le faire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Sachez que le site est bien fonctionnel à partir de maintenant, donc vous pouvez débloquer toutes ces récompenses. N'hésitez pas quand même à me donner votre avis, à partager et à liker cette vidéo à fond, c'est très important. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes!